Bonjour, c'est Élise, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconstruire sa vie. Alors, il est très très tôt le matin parce que Christian, il a pris des petits horaires de personne âgée, n'est-ce pas? Il est même pas 4 heures du mat et il est debout. Ah bah écoutez, moi je dis tout va bien. Bon, il y a son garçon qui est là, non, pardon, son beau-fils qui est là, qui répare la plomberie, j'ai envie de dire, ça va peut-être pouvoir lui remonter son social. Donc, on va hop hop hop. On va discuter un petit peu, hein. Puis bon, pendant ce temps, je vais juste me contenter de changer ses toilettes. Hop. Allez, oui. Comment dire? Sinon, vous pouvez discuter carrément dans la chambre. Ça ne dérangera personne, hein, rassurez-vous. Blabla, hop. Allez, blablabla. Là, je fais un peu discuter. On va remonter cette barre. Une histoire incroyable. Comment ça, quelle mauvaise relation? Ouais, si tu veux. Ça te fait plaisir, ma foi, Christian. Moi, je suis cool, hein, à ce niveau-là. Elle remonte pas fort, quand même. Hein, ça y va doucement. Hein. Ah, le chat, ça va pas du tout. T'es pas blablabla. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, petit chat? Ah oui, très bien. Regardez. On améliore les choses, c'est beau. Ouais, allez, ça y est, c'est bon. C'est bon, Axel. Tout va bien, je voudrais savoir pourquoi ce chat ne va pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bonne réputation, oui. Mais alors, pourquoi? Une litière propre et agréable, mais c'est une litière automatique. Elle est propre et agréable, regarde. Bon, en attendant, je vois que ça se lève. Voilà, très bien, Morgane, un petit pipi. Ensuite, on va aller prendre une douchinette. Hein, j'aime bien chanter sous la douche, ça fait monter la compétence en même temps. Nous avons une audition, oui, à ce matin, 9 h. Je me souviens qu'effectivement. Hé, les toilettes, ça va aller là. Elle avait une audition tôt. Donc, je voulais qu'elle soit prête. Puis bon, je vois que c'est pas mal. Hein. On va aller prendre un menu rapide. C'est quoi? Journée des réductions. Il va falloir que j'achète un truc. Mais au moins, l'avantage, c'est que cette journée-là, elle est quand même. C'est vite fait. Prendre des restes. Non, pas des restes. Ah. Mais c'est toujours mon bébé. Non, mais oh. Ce que je voulais, c'est qu'elle prenne un repas rapide. Parce que finalement. Hop, elle n'a pas très très faim, et puis d'ici 9 h, ça ira. Ah, bah dites donc, mais ça va pas du tout, les gens. Alors, hop, hop, une douche. Mais de toute façon, je peux rien faire sur cette litière. Non, je ne peux rien faire. Donc le chat va rester pas content. Allez savoir pourquoi. Aussi prendre des restes, il va peut-être falloir que ma chère Lou nous prépare des repas, parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore grand-chose dans ce frigo. Il n'était pas en train de manger, lui, il y a 15 secondes. Allez, prends des restes, parce que tu vas pas aller à l'école le ventre vide, hein, franchement. Ah, Morgane, j'aime bien, elle s'est mise dans une belle tenue pour aller faire son audition. Qu'est-ce qu'il fiche? Je t'ai demandé d'aller manger un petit bout. Allez, hop, prendre des restes. Mais je l'ai envoyé aux toilettes, pourtant. Oh là 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 là. Ok. Bon, ils veulent rien faire de ce que je veux, mais ça c'est. Oh, mais je peux pas nettoyer. Zut, je vais avoir le truc qui. J'aime pas avoir cette fumée verte là qui est plus ou moins tout le temps en bug. Allez, on fait un petit effort. Oh, punaise, non, il va faire aucun effort. Prendre des restes, on y retourne. On va y arriver. Et Lou, elle est dans quel état? Est-ce qu'elle avait l'air toute chiffon en se réveillant? Ah bah ça va. Une petite douche et tout va bien. Et elle, par contre, va nous servir un petit déjeuner. Allez hop.
Au boulot, cocotte. Pourquoi elle est debout si tôt? Parce que c'est curieux quand même, elle a sa jauge d'énergie qui est bien basse. Enfin, qui est bien basse, tout est relatif, hein. Alors, Christian, oui, bah oui, une petite vessie, n'est-ce pas? Au niveau boulot, au travail. Ah oui, c'est vrai, j'avais tout fait, c'était pendant 2 jours, bah laisse tomber, quoi. Je sais pas ce que je vais lui faire faire. Ah bah tiens, on va lui faire faire la peinture, ça tombe bien, c'est son aspiration. Il va falloir qu'il soit un peu ému par contre. Donc on va aller faire du thé. Préparer. Ah bah tiens, on va faire du jus de pomme épicé. Hop, tu vas peut-être à l'école toi un moment. Ouais, quand même, hein. Miss Tinguette. Ouais, de toute façon, elle a toujours faim. Elle va attendre que sa sœur ait fini de préparer le petit déjeuner. Oh non, mais hé, l'électroménager, là. Ça va bien se passer, quand même. Hop, hop, hop. Allez, on accélère un petit coup, là, histoire qu'elle finisse la popote. Enfin, je suis en vitesse 3. J'ai l'impression que je suis en vitesse 1. Tout va très bien. Blablabla, blablabla, blablabla. Oh, mais non, elle n'a pas attendu. Elle m'a pris un... Elle s'est pris une portion. Alors, la camomille... Là, non, c'est pas de la camomille. Qu'est-ce qu'il boit? Je sais plus. Je sais plus. Il boit. Il boit un truc que j'espère avoir choisi pour... Ah oui, jus de pomme pétillant. J'espère que ça va le... l'égayer un petit peu. Ah ben voilà. Hop. Au frigo. Oh bah mince, Morgane est partie à son audition et j'ai même rien vu là. Ouais, chouette. 4 000 sifflouzes de facture. Ah bah la vie est belle. Non, ça lui a rien fait du tout, son thé. Très bien. Bah, tu vas payer les factures. Et puis c'est quoi sa tasse de réconfort? Ok, c'est réconfortant. Bah écoute, tu vas aller beaucoup aux toilettes parce que je vais te faire prendre autre chose. On va vider. On va vider et on va préparer une tasse de quoi? Ah, je vais essayer ça. Qui sait? Alors, elle est très énergisée. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Allez savoir. Bon. Si on invitait Caleb... Et on a toujours Axel qui traîne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, du thé. Qu'est-ce que ça va donner? Tiens, elle, d'ailleurs, il faut que je vérifie. Préparer 3 boissons lors d'un événement social. Ah oui, mais il va me falloir un événement. Ah bah, niveau 7 de la compétence mixologie. Allez, hop. Entraîne-toi à préparer des boissons. Non, non, non. Et les chansons, ça va aller. Alors, il faut que j'achète quelque chose. Au moins 500 simflouzes. Qu'est-ce que je vais acheter? Au moins 500. Tiens, je vais aller voir dans l'électronique. Non. En divers. Un dispositif d'écoute. Non, je crois que ça va pas trop me servir là en fait. Enfin, la caméra, je crois pas qu'elle soit interactive, donc c'est pas hyper cool. L'appareil rayon X, on va s'en passer aussi. Ça sort d'où? Mais je me rappelle pas l'avoir jamais vu de ma vie, ça. Alors, je vais coller une enceinte qui va marcher tout le temps. Je vais râler copieusement, tout le monde le sait, hein. Mais je suis curieuse. Je me demande un petit peu. Oui. Alors, c'est bon, Caleb, il n'est pas là. Bon, lui, il va avoir une émotion à un moment ou pas? Je crois pas. Hein. Ah, on peut lui hurler. Ah, bah, ça doit être l'équivalent de. Pour ne citer aucune marque, Alexa ou Google Home, peut-être. Mais alors, je ne l'ai pas vu arriver, ça. D'accord. Je vois un jeu de questions, pas mal. Ah non. Pas elle.
toi, tu vas jouer à un jeu de questions diverses. Hop. Et parce que figurez-vous que mademoiselle va... Bonjour. Bonjour, bonjour. Audition réussie, yes. Rôle principal, femme fatale, vampire. Oh, bah ça tombe bien, dites donc avec Caleb. Alors par contre, est-ce qu'au niveau compétences, j'ai quelque chose à faire pour ce rôle? Développer compétences jeu d'acteur, développer compétences fitness. Ah, Morgane, où es-tu? Où es-tu? Hop, bah tu vas aller courir, ma cocotte. Hop, allez courir. Eh non, on se plante pas devant l'ordi. Non, tu fais pas comme moi, tu vas courir. Ensuite, comment ça se passe là, les tourtereaux? Il est parti où encore? C'est un peu le problème des vampires, ils sont insaisissables. Non, c'est perdu, il est passé où? Il est parti? Caleb! Où es-tu? Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu en bas. Il faut le choper, hein, ton chéri, là, parce que sinon... hop. Allez. On fait du lien, tout ça. On connecte. Un débat de l'existence des vampires, on va éviter. Parce que, bon, avec un vampire, il pourrait se sentir un peu offusqué. Hop, hop, hop. Allez, la température, il doit s'en fiche un peu, mais... Quoi? Qu'est-ce qui se... Ah non! Non! Oh, alors... Le pauvre Christian. Elle est même pas là. Je sens que ça va pas bien se passer. Là... Le... Son rôle, tout ça. Ah bah... Super. Bande de vautours. Laissez-moi prendre une photo. Pour Morgane, elle est même pas là, elle est partie faire un jogging. Ah, je l'avais dit la dernière fois hein, qu'il était pas loin de nous quitter. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, il y a même le chat qui s'y met. Même le chat qui hurle à la bouche, je savais pas. Ouais, elle est pas mal celle-là. Bon, qui c'est celle-là? C'est gentil de pleurer, mais... Morgane, il va falloir que tu reviennes, ma cocotte. Tu es où? Parce que ça va pas être cool. Elle est enjôleuse. Non, bah cool. Ça va être bien. Peut-être elle peut encore... est-ce qu'elle peut supplier la faucheuse? Zut, je fais pause. Non, lui, il peut pas. Elle, est-ce qu'elle peut... Supplier, séduire, pourquoi? J'ai jamais vu ça. Bon, allez, monte. Je crois bien qu'elle va arriver un tout petit peu tard. Là, j'ai pas été très... J'ai pas été hyper réactive, là, il faut le dire. Ah oui, là, c'est un peu fichu. Bon, bah, on va mettre les cendres de Christian. Ah bah mince, ils vont tous être bleus, là, jusque pendant je sais pas combien de temps. Bon, bah... Alors j'avoue que c'est pas des périodes que je trouve très très folichonne. Hein. Donc je vais leur faire faire ce qu'ils ont à faire. Peut-être en accélérant un petit peu. Hein, je pense que c'est moyen que j'accélère et que je coupe des morceaux parce que je les trouve... Alors je comprends leur deuil bien sûr, mais je les trouve un tout petit peu pénibles à pleurer non-stop. Hop, bah oui, oui, bah pleure, écoute, hein, de toute façon... Hein. Mais regarde, il est là, Caleb. Ah, mais regarde, peut-être que tu peux diminuer ta tristesse. En lui parlant, je ne sais pas. Puis alors, elle, là, tu parles. Je vais rien en faire, elle. Je ne vais rien en faire, pourtant. Alors, est-ce que... Oh, ça fait bizarre d'en avoir un de moins, quand même. Oh, puis la compétence fitness, c'est pas froid. Oh là 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 là, je vais jamais réussir à lui faire faire quelque chose. Entraînement, bah tiens, si. Il va y arriver. Le petit, il est revenu. Oh mince, il s'ennuie. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Bon, je vais lui faire lire un livre. Plie quelque chose et fais tes devoirs. Non, oui, ceux-là, ça ira mieux. Et puis je vais tenter de m'occuper de Morgane. Et puis si j'arrive à lui faire faire ce qu'il faut,
Eh ben, ça sera pas mal. Bon, ça c'est fait. La compétence fitness et maintenant la compétence jeu d'acteur. Donc là, je crois que je peux m'entraîner à jouer là. On peut s'entraîner à jouer. Ah ben. Heureusement qu'on me demande pas de développer un point de compétence parce qu'on s'en sortirait plus. Hop, je vais attendre, on est à 25%. Qu'est-ce qui lui arrive? Allô? Ah bah oui, merci. Allez-y. Ah, maintenant, ils vont tous aller se traîner, pleurer sous leur lit. Bon, bah, j'arrive à leur faire faire des choses quand même. C'est pas si mal. Bon, le jeu d'acteur, par contre, ça avance pas, là. Ah, non, mais faut qu'il arrête, Axel, d'être tout le temps là. Par contre, ça m'embête, là. Ah, très bien. Bon, je vais la laisser avancer, non? Ah. Ah bah si, on va aller au travail. Allez, allez. Hop. Plus divertissement dans les chaussettes. Mais écoute, tu vas aller regarder la télé, cocotte. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Où est-ce qu'il est en train de chouiner? Moi, tu veux pas aller regarder la télé avec ta sœur? Regardez la chaîne actuelle, regarde, ça va te faire du bien, tout ça, tu vas penser à autre chose. Hop, 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 tout va bien se passer, ou presque. Là, j'en suis à juste remonter les barres. Hein. Oh, j'ai mon petit souvenir de Tulani, là, c'est mignon. Rappel, nous avons fait un... Ben oui, oui, tout à fait, beaucoup de succès. Je suis bien d'accord. On va le continuer, bon an mal an, à s'entraîner. Hop, allez. Un petit bout à manger, de toute façon, la télé est en rade. Ah ben c'est rentable, je vous raconte. Ah mais ça chante quand même. Bon, allez, hop. Prendre des restes. Et tu y vas manger ou pas, Coco? Allez-y. Et puis après, bah tire au lit parce que t'as l'air super fatigué. Oh bah, ouais, de toute façon, je vais commencer à les mettre au lit. Je vois que c'est l'heure. Pourquoi tu manges pas? Allez hop. Une assiette. Et au lit. Oh là là, mais j'ai tous mes appareils qui tombent en rade. Elle, bah une assiette et au lit, on va faire pareil. De toute façon, vous êtes triste. Dormez, vous serez moins triste. Bah Morgane, pareil. Une assiette et au lit. Hop. Oui, ça va être très triste. Je suis bien d'accord, tu vas te retrouver toute seule dans ton lit. Mais t'as déjà subi une perte dans ta vie, Morgane. Il faut... Tu vas l'affronter, celle-là aussi. Bon, bah écoutez, je vois que là, ça se termine. Je vais envoyer tout le monde au lit gentiment. Bah du coup, ça veut dire que cet épisode est terminé. Et bah, en attendant le prochain, moi, je vous dis, amusez-vous bien.